terminé Alan Wake 2, sauf que si je meurs une seule fois, je recommence tout le jeu du début à la fin. Yo les gars, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve... Calme-toi, t'inquiète pas, c'est qu'un corbeau. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Alan Wake 2 pour le second One Life de la chaîne. Merci encore à tous et à toutes pour le soutien incroyable. Vous avez été de nombreux et nombreuses à me découvrir grâce à ces vidéos-là. Donc voilà, encore une fois, bienvenue à vous sur la chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. Et donc voilà, donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le second One Life sur la chaîne. Donc je rappelle le but de One Life, c'est tout simplement, je commence un jeu et je dois le finir sans mourir une seule fois. Sinon, si je meurs ou sur du coup là sur Remnick Bor, si je me fais attraper une fois, je recommence le jeu depuis le début, jusqu'à ce que je l'ai terminé. Sauf que bien sûr les gars, dans la dernière vidéo on avait déjà fait ça, donc du coup on va le refaire aussi dans celle-ci. On va bien sûr m'accorder un petit extra life. Je vais m'accorder un petit extra life, donc cette fois-ci ça veut dire que si je me fais avoir une fois, bah c'est pas grave, tant pis, tu sais, je recommence pas tout, tu vois. Bah après bien sûr, si je me fais choper par le voisin ou par n'importe quel autre énergumène, pardon, si je meurs de chute ou tout plein d'autres choses, là je recommencerai le jeu depuis le début. Donc ouais, ça va être chaud, ça va être chaud, ça risque d'être très long, mais bon, on y va quoi. Puis si un jour vous voulez qu'on refasse la même chose avec la forêt de Ravenbrooks, ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, bon, j'ai oublié de vous le préciser les gars, j'ai oublié de vous le dire, oula, attention, j'ai oublié de vous le dire malheureusement, je tenais quand même à vous le dire, vu que le jeu est tout de même plutôt long et que c'est très compliqué bien sûr, je vais me laisser la solution du jeu sous les yeux. C'est-à-dire que grâce à un site, grâce à un site internet, j'ai tous les codes, j'ai tous les mots de passe des coffres, tout en fait. Donc bon, la localisation des objets, tout ça. Bon, je suis désolé, bon voilà, j'espère que vous ne le prendrez pas mal, pas comme de la triche ou autre. Mais bon voilà, je le fais quand même parce que bon, sinon c'est un petit peu long et c'est un petit peu trop long je pense pour moi. Et je pense que ce sera beaucoup trop compliqué, voilà. Je repasse la cinématique parce que bon voilà, ça fait plaisir quand tu vas de la revoir quand même. Dans la cave. L'animation a été faite de mieux en mieux avec les mises à jour, hein. C'est un truc de fou. Hein. Incroyable, n'est-ce pas? Ok, et eh ben les gars, c'est parti. Notre second One Life sur la chaîne commence. M'en tape. Ok. Bon, bien sûr, un One Life, c'est aussi un petit peu, on va dire, speedrun. Hein. Bon, c'est plus genre comme un Manhunt. C'est plutôt comme un Manhunt, plus. Mais bon, ça se rapproche quand même... Ça se rapproche quand même pas mal du speedrun, quoi. Allez, let's go. Ouch. Incroyable. J'ai tellement hâte pour la suite de ce jeu. Ça risque d'être fou. Parce que, n'empêche, on s'en rend pas compte. Mais il faut savoir que Alan Wake 2, ils l'ont annoncé avec un teaser et une bonne annonce. Personne ne s'y attendait, tu vois. Ça arrivait du jour au lendemain. Donc, putain. Donc, du jour au lendemain, un teaser ou un trailer pour Alan Wake 3 peut sortir. C'est du jour au lendemain. Ça peut être incroyable. Bon. On a quand même attendu au moins, je crois, 6 ou 7 ans pour Alan Wake 2. Donc bon, c'est loin d'arriver, je pense. Mais bon, franchement... Oh, carrément. Il passe le teaser de la forêt. Bref, c'est parti, les gars. Mais bon, franchement, vu le carton qu'a fait le premier jeu, ainsi que le second, hein, d'ailleurs, là, Alan Wake 2, je pense que il s'acharne sur Alan Wake 3, à mon avis. Hein. Tout comme Bendy 3, d'ailleurs. Bref, ce n'est pas le sujet, les amis. Salut. Alors attendez, parce que je sais que déjà j'ai besoin d'aller en haut là. Le flou de mouvement c'est vraiment horrible, attendez.
Voilà. Non, parce que franchement, le flou cinétique, c'est bien, mais... Non. Mais pas là, quoi, tu vois. Bon, d'ailleurs, après, je tenais aussi à revenir vite fait sur la solution que tu sais que j'ai sous les yeux. Je vous avoue que le jeu, je l'ai fait tellement de fois que, bon, la solution, je l'ai dans la tête maintenant. Tu vois, hop là, je vois rien, je regarde rien du tout en plus et pourtant j'ai réussi. Hein. Hop. Allez hop, petit train. Incroyable. Yes. Il me voit pas. Il me voit pas, let's go. Ah non, rentre pas. Il rentre. Oh, il est rentré dans la maison. Oh! Monte à l'étage! Oh, ouais, yes! Quoi? Mais il m'a pas vu! Oh merde! Ah bah là, je confirme, il m'a vu, hein. Yes. Allez, monte, monte, monte. Let's go. Ça, je vais le prendre avec moi déjà. Et je vais le mettre là. Ok. Il est là, putain. On voit que les ciseaux dans le reflet. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a vu? Ok. Très bien. Il est là, il est là. Ok. Je
Je le sens pas, je le sens qu'il est juste à côté. Hein. Pourquoi il court comme un asthmatique là? Oups. Faut que je redescende dehors. Ouais, il faut que je retourne dehors. Pour récupérer le pied de biche. Que j'ai laissé ici. Pas vrai? Oh non, il est où mon pied de biche là? Non, mon pied de biche! Il est où? Attendez, mais je suis aveugle ou alors il est juste pas là quoi. Normalement j'en ai encore un là, là où je suis là. Let's go. Merci, merci beaucoup. Ok, il faut que j'aille là récupérer la figurine d'Aaron. Non, de Mia, pardon. Pas d'Aaron, Mia. Ici là. Voilà, let's go. Où est-ce qu'il est? Yes. Je me casse. Il arrive. Bon, il arrive. Faut que je fasse très très attention. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ok. Yes. C'est parti, allez hop. Oh merde. La pile. Let's go. Merci. Allez, va récupérer la clé. Et ramène la clé. Simir. Il arrive, hein. Yes! Deux clés maintenant. Il ne reste plus qu'une, et puis c'est le coffre qui est juste à côté. De la salle qui est juste à côté. Oh la vache! Yes! C'est pas vrai. Il a un doute, il sait que je suis dans le coin. Il sait que je suis dans le coin. J'attends qu'il ouvre la porte là-bas là. Puis ensuite j'y vais directement. Yes.
Let's go! Xoling the Mythium! Ils ont mélangé toutes les lettres, c'est une dinguerie. Allez, let's go. Boum. Siming. Heplemé. Let's go. Eh ben sorti les gars, cette fois-ci du coup, il faut aller... Ah bah attendez, je crois qu'il faut... Ah oui, let's go, c'est ça. Regardez, vous allez dans les paramètres, vous allez charger la dernière sauvegarde. En fait, ça vous téléporte directement là-bas. Ah donc là, je fais le cauchemar là. Et après, c'est la boulangerie, je crois. Trop stylé. C'était même pas comme ça avant, je crois. Ce n'était même pas comme ça. Ok, bon, c'est parti du coup. On y go, la pâtisserie, les gars. La pâtisserie qui se trouve donc juste là. Et je crois, les gars, si je ne dis pas de bêtises, je crois que je peux le speedrun le truc juste en rentrant le code. Donc d'ailleurs, je me rappelle en plus. Ah non, je peux pas du coup en fait. Ok. Quoi? Bah d'accord. Tu m'as pas vu. Merde. Merci beaucoup pour la clé. Elle a cru me voir, ok? Elle m'a pas vu. Oh, c'est la mauvaise clé? T'inquiète, c'est une blague. Donne le petit chat. Wouh ! Heureusement qu'elle va pas sur la terrasse, hein, parce que je serais déjà foutu, hein. Non, elle vient pas quand même, frère. Je vais à peine de monter. Oh! Ça tombe bien, en fait, elle est déjà au-dessus, tu sais. Oh, bah elle redescend, masterclass. Let's go. Et de deux. Je me casse. Ok. Et de trois. C'est 1576, hein, le code. En plus, il est juste là. Le 6, comment je l'obtiens, le 6? Ah, c'est avec un glaçon, là. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah bah non, elle était juste là. T'inquiète, je me casse. Enfin non, je me casse pas, mais je vais de l'autre côté, quoi. Oh merde!
Cimer. Let's go. Elle monte. Enfin, elle descend. Elle est descendue. Moi, là, je monte. Je vais ouvrir son bouquin. C'est qui sur la table, là, juste au-dessus, là. Yes. Yes, ok, ça c'est bouclé ça. C'est pas en combien de temps, mais bon, je dirais 15 minutes max. Let's go. Oh non! Salut Trevor! Excuse-moi Trevor. Il est où? Oh! Merde! Ouais, t'inquiète, je pars. C'est fou, je pars pas. Wouh! Eh ben! Il est vénère, monsieur Pertelson, là! Hein? Putain, il se déplace vite, hein! Let's go! Ça, ça va là. Il est à l'extincteur, attendez. Il a failli me voir, hein. Il a failli me voir. Ouais. Quel bâtard, il m'a feinté! J'ai peur. Pas envie de me faire choper. Mais certainement pas quoi. Pas là maintenant. Si je veux me faire choper, ce sera soit par lui dans une prochaine étape, soit par le maire. Enfin le riche là, je sais pas quoi là. Ouah mais frère, vas-y laisse-moi un peu tranquille là gros. Oh putain, casse-toi! En plus, il y a eu pas mal de mises à jour entre temps. Ça fait un long moment que j'ai pas joué au jeu. Alors, tu vois, à tout moment, au final, l'IA s'est développée. Et puis, il va, on va dire, plus loin que je ne le pense. Ok. Faut faire vite, je crois qu'il arrive. Hein. Ok. Merde. Oh, on entend Aaron. Let's go. Ok, là c'est bon, on est safe. Ok, bon. Eh ben on est parti et là c'est... Oh non, pas cette maison, putain. Celle-ci c'est vraiment la pire de toutes. Elle est trop compliquée à faire et c'est pour ça que j'ai pris la solution. C'est en grande partie
pour cette maison là. J'ai toujours l'extra life, hein, et je suis à plus de la moitié du jeu. Bah putain, pourtant je m'en sors très, très très bien même. Mais lui il est plus chiant. Ah lui il est vraiment chiant lui. Ok. Donc là pour accéder au coffre fort, il me faut... Comment c'est déjà? Voilà c'est ça. L'appel. Et donc il faut que je passe là derrière du coup. Ici. Faut que je monte ici. Bon, la lettre, on s'en fout. Moi, c'est vraiment juste l'appel. Ici, let's go. Yes. Incroyable, ça. Je le dis haut et fort, les gars. Le code, ici, c'est 8 0 1 8 0 1 6 8, 0, 1, 6 et 4. Et hop là, direct. On n'a même pas vu le mec. Oui, c'est du pur speedrun en fait. C'est devenu un putain de speedrun. Ok, donc on est de retour au final avec notre voisin. Notre bon vieux voisin. Et cette fois-ci, il va falloir aller à la bibliothèque. Donc c'est la salle qui est juste ici, on le voit bien avec le gros livre là-bas. On va y aller là. On en profite. Et puis le code c'est 1135. Voilà. Finito. Oh, il est sacrément con hein. What? C'est quoi ça? Oh, c'est cette cinématique. Je l'aime tellement cette cinématique. Ça aurait dû tellement être le boss du jeu final. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Franchement, moi personnellement, quand j'avais vu la bande-annonce du jeu, je m'étais dit, tu sais, ils avaient déjà montré justement ce fameux corbeau qui nous mange, en fait, dans la cinématique. Donc, bien sûr, qui est un cauchemar. Je me suis dit, à tout moment, c'est ça le boss final du jeu et tout, ça va être un truc de ouf. Et ben, au final, non, ça n'a jamais été le boss final du jeu et on est resté avec notre voisin. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. J'aurais kiffé, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, ça bug pas mal, mais en même temps, là, on se retrouve là dans une zone très importante du jeu. Parce que là, mon pote, chez lui, là, ça rigole pas. Hein. Ah oui, merde, il lui faut sa bouffe à lui, là. Il lui faut son steak. Oh, j'ai failli déjà me faire repérer, hein. Ici, let's go. Oh merde! T'inquiète, c'est pas pour moi, c'est pour le chien. Je suis en demande, hein. Let's go. Mais non, m'en fous. Donne-moi ça, let's go. Wesh, pourquoi il est sur deux pieds? What the fuck? C'est quoi ce chien? Ça m'a tué de rire. Ok, je remonte. C'est pas vrai, c'est pas vrai, non. Vite, monte. Monte très vite. Ouch. Putain, j'ai failli crever hein.
N'empêche, du coup, j'ai toujours l'extra life et tout. Masterclass. Ok. En vrai de vrai, eh, c'est drôle, mais ça doit être tellement horrible de dormir dans un lit comme ça. Le truc, il fait que de rebondir tout le temps et tout. Ah merde. Oh, il y a des pièces. Ok, let's go. Là, il me faut le code couleur pour le piano, par contre. Je sais plus du tout c'est quoi. Ok, le code, ce serait... Le code couleur du piano, ce serait jaune, rouge, vert, bleu. Ok, bon, il monte. Je vais donc sortir par là. Wow, pourquoi ça bug autant? Par contre, eh, le mec il est serein. Il me voit bien. Eh oui, 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 il me voit. Mais alors il s'en tape. Hein. Franchement, il s'en tape. Oh, putain, c'était rapide. Eh ben, ça c'était à quoi est-ce que je puisse pas avoir? Puisse pas monter et puis que je me fasse avoir. Repérer plutôt. Huit, six, neuf, un, ok. Tu m'as pas vu. Oh. Bon bah ciao hein. Donne-moi ça. Let's go. Yes. Ok, le musée. Troisième partie. On est de retour avec notre voisin Monsieur Peterson et il va falloir cette fois-ci aller tout en haut. En gros, on va le suivre là pour le moment. On va le suivre. Putain, ça c'est de la chance. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'il ne me voyait pas. Putain, je l'ai récupéré alors qu'il était même pas ouvert. Let's go. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, c'est vrai. Là, maintenant, il faut que je retourne là. Vas-y. Ok, let's go. Je ne sais pas ce qu'il fait le voisin. Je sais pas où il est. Mais bon, comme toujours, il est pas loin. Feu, fleur, planète peut-être. Oh là là, masterclass. Incroyable. Eh ben, écoutez, je crois que c'est ça. Je crois que le voisin dormait. Mais genre, vraiment. Je sens mal là, tu vois. Il est là. Ça va? Qu'est-ce qu'il a? Ah, bah merde, c'est pas ça. Merde.
tête de poisson. Je crois qu'elle est là. Oh bah putain. Mais oui, elle est là. Tête de poisson. Oh. C'est déjà la fin, les gars. Merde, il faut une clé. Ici, là. Oh, il va monter. Ok. Que c'est bon. Wouh. Oh, je suis pas à mourir une seule fois. Gouloum. Ou alors, Aaron. Marron. J'ai toujours cru que le voisin il était bûcheron canadien dans une autre vie. Il a le physique un peu presque. Et encore là, la solution je l'ai utilisée deux fois j'avoue. Du coffre-fort avec le vieux monsieur là avec son fusil. Mais écoutez là je crois que je vais réutiliser encore une fois la solution. Donc voilà, donc tu sais je l'ai pas utilisé énormément de fois non plus la solution. Mais franchement je vais la réutiliser parce que là ce code là il est trop chiant. Please. Yes. Non, putain. Oh, Aaron. Tu m'as pas vu. Je suis une pile de carton, ok? Tu ne me vois pas. Oh non mais comment il sprint, c'est trop. Oh la vitesse. Voilà le boss final, c'est Flash McQueen. Oh putain la clé à molette, c'est lui qui l'a, j'en peux plus. Pas vrai. Non, ouah le salaud. Ouah, je reviens pas. Mais gros, je savais pas qu'il pouvait faire ça moi. Mauvaise nouvelle, c'est lui qui a la clé à molette. Tout le reste on sait où ils sont. T'as ça là et t'as ça là-bas. Mauvaise nouvelle, je ne sais pas comment les récupérer. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, ça va, ça marche. Oh, je sais comment faire diversion les gars. Oh le bâtard, il fait quoi avec? Ah, il va le remettre à sa place. D'accord. Bah moi je vais le récupérer. C'est pas vrai. Mais vous imaginez même pas comment je m'éloigne de lui tellement. C'est impossible de récupérer les trucs sur lui. Mais comment tu veux que j'y arrive? Je sais comment ce que je pourrais faire. Tu fais quoi là? Ça en devient chiant. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh non. Oh non, il va vite, il va vite. Le poisson, s'il te plaît, cache-moi.
Passe pas par là, passe pas par là, j'ai dit passe pas par là. Il fallait qu'il passe par là, tu sais. Oh non, là, tu vas trop vite, ce chien. Quel chien. Non, 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 les développeurs, ils ont pas fait ça. Wouh. Ils ont raccourci la table, je peux pas me cacher dessous. Non, mais attendez, sérieusement, c'est un enfer. Oh non, 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 tu ne mourras pas. Pied de biche. Mais comment tu veux que je la récupère maintenant? Il est mauvais joueur, il est mauvais joueur. Oh oui, let's go! Oula, j'aime pas ça moi. Retourne là-bas. Sagement. Quel salaud, c'est un truc de ouf. T'as vu ça comment il m'attend? Il attend que je parte ici pour venir. Ouh, quel salaud, putain. Il est bloqué là, il est bloqué les gars, j'en profite. Il est toujours là. Oui. Oui, let's go. Waouh, on l'a fait les gars. Yes. Et boum. Oh là là, yes. Et boum. Oh là 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 là. Incroyable. Comment je suis trop content. Oh là là, incroyable. Trop trop bien. Oh, c'est incroyable. Waouh. Trop 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 bien. Je suis trop content. Je suis trop content. Je l'ai fait. Et je crois plutôt que je ne le pensais. Plutôt que je ne le pensais, je crois. Oh là là, trop trop bien. Trop trop bien. Eh ben écoutez, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi durant cette aventure qui aura été une vidéo très très longue. Mais écoutez, ça aura valu le coup. On aura réussi encore une fois un défi. On aura réussi encore une fois le second One Life sur Elon Eggboard. On se sera fait avoir ne serait-ce seulement une fois. Seulement une fois. C'est vrai, j'avais la solution. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que sans la solution sous les yeux, est-ce que vous pensez que j'aurais quand même réussi? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire sur quel jeu est-ce que vous voulez qu'on fasse le prochain One Life sur la chaîne. Sur ce, c'était Nabetz. Prenez soin de vous. Bye!